Actuellement, en France, il y a un grand mouvement d'opposition au gouvernement. Je veux juste rappeler que Marthe Robin, qui avait les blessures de Jésus sur elle et qui n'a pas mangé pendant plus de 30 ans, mis à part l'Eucharistie, elle a dit que la France tomberait très bas, plus bas que les autres nations, et quand elle aurait le nez dans la poussière, la Sainte Vierge Marie viendrait la sauver. Elle a dit aussi qu'elle ne resterait pas en bas très longtemps. Et ce serait comme une balle qui touche le sol et qui rebondirait très haut. La France servira d'exemple pour le monde entier, mais pour l'instant, on n'a toujours pas mordu la poussière. Alors gardons confiance, prions et jeûnons. Miracle au Kerala. Je voudrais partager avec vous un grand miracle. Un grand miracle qui s'est produit à Erumali, au Kerala, dans le sud de l'Inde. Ce miracle de Rosa Mystica, qui a duré quelques jours, est arrivé dans une famille chrétienne, le 17 mars 2006. Le couple, Sojan et Salomi, ont 4 enfants. La femme, souffrant d'une maladie du cerveau, a essayé de se faire guérir, mais en vain. Un mois avant que le miracle ne se produise, une vieille dame, plutôt jolie, avait visité cette maison de façon inattendue. Elle a demandé à la femme Salomi « Vous ne vous sentez pas bien ?» et lui a demandé un verre d'eau à boire. Lorsque Salomi est allée à la cuisine pour aller chercher le verre d'eau et qu'elle est revenue, elle a constaté que la vieille dame avait disparu. Il restait cependant une odeur très parfumée dans la maison. D'ailleurs, cette odeur vient à chaque fois que la famille prie. Un mois plus tard, Evan, qui était aveugle d'un œil, vit le sang venir des yeux de la photo de Rosa Mystica. Il prit le sang, essuya son œil et il vit les deux yeux. L'enfant a rapidement récupéré. Sa mère a elle également subi une guérison progressive de sa maladie du cerveau. Cette fois, le père Sojan, qui était au marché, ils l'ont appelé par téléphone, mais quand il est rentré à la maison, il a également vu le sang venir des yeux de la photo de Rosa Mystica. Très vite, il a informé le curé, et dans une procession, ils ont porté cette image de Rosa Mystica à la paroisse, et ils l'ont remis au curé. La famille était très triste, en raison de l'absence de l'image. Ils sont allés voir le prêtre et il leur a donné une autre photo. Après quelques jours, une grande odeur venait de l'image alors que la famille priait et elle se mit elle aussi à pleurer du sang. La famille l'a déclaré au prêtre et leur a pris la photo et l'a remplacée par une autre du même genre. Après une semaine, la troisième photo a également pleuré du sang. Quelqu'un en Allemagne a envoyé une statue de Rosa Mystica à cette famille. Encore une fois, le miracle s'est produit. La statue a commencé à produire un doux parfum de jasmin, ainsi que de l'huile, du miel et du lait. La maison où le miracle est arrivé est maintenant comme un grand centre de prière, où de nombreux prêtres, religieux et croyants viennent pour prier. Vous pouvez voir d'autres miracles en cliquant sur la photo dans la zone blanche. Sinon, dans la zone rouge, vous pouvez voir la dernière vidéo. Je publie une vidéo tous les jours à 18h. Si cela vous intéresse, vous pouvez vous abonner en suivant la flèche rouge.